Allez, dans le style 3 minutes projet, j'ai deux vieilles piles de télécommande à vider avant de les envoyer au recyclage. Je me suis fait un vibro-boot, mais cette fois-ci, au lieu de le faire en tout petit, en miniature, je me suis fait un gros truc sur une grosse brosse pour voir ce que ça allait pouvoir donner. Donc, c'est toujours le principe du vibro-boot. Alors, comme j'ai des vieux autocollants là avec des petits yeux, ça, rien que ça, déjà, c'est pas trop débile, mais j'aime bien. Et hop. Bon, alors il se trouve que là, j'ai beaucoup de chance. Que du coup la brosse, enfin les poils pourris de ma brosse là font que ça tourne sur lui-même, c'est excellent quoi. Ça c'est juste un coup de bol, hop, pas évident de l'attraper le machin. Donc évidemment comme tout vibro-boot c'est juste un putain de moteur vibreur. C'est évidemment du collage à la colle chaude histoire que ce soit démontable facilement, hein. Je démonterai ça demain matin. Je me suis quand même amusé à graver la version 3.0.1 sur le côté histoire 2. Histoire de faire un petit peu pro, malgré que ce soit démontable. Mais le plus débile là-dedans, je crois que c'est quand même les yeux. Je crois que les petits autocollants des yeux, là, je me souvenais pas que j'en avais, mais c'est vrai que c'est excellent cette petite connerie.